J'ai pris ton téléphone en fait, mec, et il est super loin là, genre dans une grande ville. Quoi? Mais le mec, mais c'est un malade, t'es sérieux? J'ai rien demandé, moi, putain! What the fuck? Mec, je crois qu'on est trop loin là. Je crois qu'on est pas au bon endroit là. Qu'on fasse demi-tour, mais. Mais vas-y, la vidéo elle commence déjà mal. Non. J'en ai marre. Et là, il va m'emmener encore à l'autre bout de la planète. On va à Paris cette fois. C'est quoi ça? Oh! T'es en train de faire un blague ou quoi? Bah non, mais pas du tout, mec. En fait, je t'emmène. Tu m'emmènes? Bah oui, j'ai pris ton téléphone en fait, mec. Faudra que tu le cherches. Mais mec, en plus, je le cherche depuis tout à l'heure. Bah, je te l'ai dit. Bah vas-y, donne. Non, attends, ça se passe pas comme ça. De quoi? Bah, faudra que tu le cherches ton téléphone, mais... mec. Quoi? Bah attends, je t'ai pas dit en fait. Ouais, tu l'as planqué dans ta voiture en fait. Non. Il est super loin là, ton téléphone, genre dans une grande ville. Faudra que tu y fasses marcher ta tête. Là, t'es en train de me dire qu'il y a des gens qui circulent. Et il est dans la ville, tu l'as mis comme ça quoi. C'est ça. En gros, il est planqué dans une ville, mec. Faut que tu le cherches. T'as fait ça quand? Ah bah dans la nuit, j'ai fait ça. Quoi? Mais le mec, mais c'est un malade, t'es sérieux? Mais mec, il y a tout mon travail depuis. J'ai toutes mes vidéos qui sont déjà programmées pour je sais pas combien de temps dedans. Mais t'as pas le choix, mec. Va falloir qu'on aille chercher ton téléphone, c'est ta mission aujourd'hui. Mais t'es un fou. Ah non, mais en plus, t'as pas le choix. Va falloir que je te bande les yeux pour aller chercher le téléphone. Mais t'es sérieux? Non mais en fait le mec il me kidnappe quoi, mais... Ah mais mec t'as pas le choix. Mais on se dépêche putain, ça se trouve ils vont me le voler mec, mais t'es ouf. Putain. Allez, mec. Je te mets le bandeau mec. Mec, t'es sérieux? Mais dans quoi tu m'emmènes, bordel de merde? C'est la petite aventure. En plus j'ai même pas le choix, je suis obligé de le faire. Ah bah parce que sinon j'ai plus mon tel, bordel. Ouais, t'as pas le choix. Bah allez, c'est parti mon ami. Attends, je vais... Waouh, non mais mec... Oh putain, j'ai l'air d'un con avec mon truc là. Salut, je suis Gilbert Montagnier mec. Bien balancé. Ah ça veut dire que là, je vais rester plus d'une heure avec ce putain de bandeau sur les yeux là. Ah mais t'as pas le choix mec, faut que tu saches où on va. Une grande ville. Ah mais mec, ça me fait trop flipper là. Mec, mon téléphone. Genre c'est limite toute ma vie, y'a tout mon travail dedans. Bon écoute, on est bientôt arrivé là, on va se garer. Putain enfin. Qu'est-ce qu'elle a été longue cette putain de route, ça m'a saoulé. On est où là? Ah bah là on est dans un parking. Parce que j'entends des... Hop. On est arrivé? Bah écoute. Oh putain de merde. Bon bah les gens c'est... ça va commencer. Génial. J'ai rien demandé moi putain. Mais j'ai... C'est ouvert? Bah là j'ai ouvert la porte. Putain mec voilà. Je vois rien du tout. C'est bon je peux enlever le bandeau là ou pas? Vas-y enlève le bandeau. Ah, on est en sous-sol et tout là? Ah, dans un parking pour l'instant, tu sais pas trop encore. Ah, mais mec, en fait ça va commencer quand on sera là-haut quoi. C'est ça. Merde, putain. Bon bah c'est bon, vas-y, c'est le truc de merde là, bordel. Bon bah écoute, voilà, tu reconnais cette ville un peu? Ça me dit un truc, ouais. Annecy. Ouais, grosse ville, ouais. Donc, bah ouais. Il est où? Bah je te donne mon premier indice déjà. Ah, parce qu'il y a des indices et tout? Ah bah ouais, attends, ça t'a fait que ça allait être facile. Mais mec, en fait t'as préparé un truc de malade. Ah bah c'est un peu une chasse au trésor, mec. On dirait là, je suis en train d'ouvrir une lettre d'amour, quoi, comme à l'école, tu sais, à l'époque. C'est quoi ça? What? Premier indice, il s'agit d'un lieu riche qui regorge d'histoire où on trouve plus de 1000 dans toute la France, même qu'à une époque on y trouve des rois qui suivent. Mais c'est quoi ce truc? Je t'avais dit hein. What the fuck? Donc ça serait un château? C'est ça, un château. Mec, la direction, j'en sais rien. Et toi, t'as pas ton téléphone sur toi? Ah bah si, mais t'as pas le droit. Ah non. Donc déjà, je sais pas la direction, donc je vais commencer à en prendre une. Et puis, je vais voir avec les panneaux. Ouais. Si avec les panneaux, je les trouve pas, bah je vais demander aux gens, écoute. Hein. Alors déjà, on est à la gare, donc déjà... Tiens, on est vers la gare. C'est pas bon. T'as pas de la bonne direction. On est bon. Genre, mais normalement, il y a des panneaux pour dire il y a un château. Ouais, mais bon. En plus, c'est le plus gros château d'Annecy. Hein. Bah alors, ça veut dire que c'est sur le chemin. Forcément, et on va le voir de loin. Mais j'espère que tu m'as pas fait faire des kilomètres de ouf. Ah bah, on va marcher un peu quand même. Hein. Ah, alors que tu me trouves ton téléphone. Hein. T'as cru que ça allait être facile? Si tu y tiens aussi bien que tu y tiens à ta vie, il va falloir que tu le cherches. Non, mais j'espère vraiment que tu l'as bien caché, le téléphone. Parce que si je me le fais voler, mec, je te tue. Ok, donc là, on est en plein intersection, en fait. Alors là, je pense que c'est plutôt le pont. Pour moi, c'est entre les deux là, mais je pense que c'est plus vers là-bas. Par déduction, parce que je vois que c'est de plus en plus caillouteux. Donc, je pense qu'on va continuer par là. Ça veut dire, là, je vais aller au château, tout ça pour que tu me dises, je verrai la suite, parce qu'il y a une suite. Ah, bah, il y a une suite. Attends, t'as cru que ça allait être facile, t'as cru que c'est hop une enveloppe et... Mais en fait, t'as cru qu'on allait rester jusqu'à minuit ici en fait. Ah bah ouais, après. On peut passer dans la vidéo. T'es une star, c'est le gars, t'sais. Alors attends, déjà il y a une carte. Donc déjà on est là, et le château, il est... Attends, déjà je bois Royal. Ouais. Ah mais merde, mais on arrive de tout droit.
Attends, mais je ne sais même plus. Attends, non, ok, on était là. Donc du coup, on descend par là. Donc c'est château, place du château. Voilà. Oh, mais mec, il y a tout ça. Mais t'es un fou. Qu'est-ce qui m'a pris d'avoir accepté ça? Bah, de toute façon, j'ai même pas accepté. En fait, on m'a obligé, quoi. En mode, je te pique et vas-y, tu me démerdes. Alors, attends. Je suis en train de voir une pointe. Me dis pas que c'est tout là-bas. Si, c'est là-bas, c'est la pointe. Mais mec, mais c'est hyper loin. Oui, mais on n'a pas le choix si tu veux tenter. Mec, on va. Il y en a pour un kilomètre. Mec, je crois, on est trop loin là. On est pas au bon endroit là. Ah, mais on a vu la pointe tout à l'heure. Non. On est pas bon là. Dès quoi on est pas bon? Alors, regarde, c'est pas la bonne pointe, regarde. En fait, le mec il utilise son téléphone et moi j'utilise le mien parce qu'il l'a planqué. On fasse demi-tour. Mais non, mais vas-y, la vidéo elle commence déjà mal, bordel de merde. Il fait trop chaud, j'en peux plus. Mais par contre, c'est méga beau. Je sais pas si vous avez vu, c'est méga beau. Genre, j'ai envie de me plonger dans le lac là tellement qu'il fait chaud. Mais on va éviter parce que là, je pense qu'il y a encore un bon kilomètre, je crois, non? Un petit peu, ouais. L'eau est pas très propre, hein. Mais les gars, j'y crois vraiment, j'ai planqué. Ah bah, c'était envie. T'es ouf, en plus, là-dedans, il y a des reptiles et tout là. Des petits genres de crocodiles là. Là, je me fais bouffer là. Là, je mets un petit doigt, il y a des piranhas là, je suis mort. Je sais pas si ça se voit, mais c'est là-bas. Oh putain, c'est encore loin. Hein. Oh là là. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? T'arrives? T'en as déjà marre? Ça fait je sais pas combien de kilomètres qu'on est en train de faire. Bah, c'est pas fini, mec. Quoi? Ah, putain, on se croirait pas en Espagne ou je sais pas quoi là? Totalement là. C'est pas grave. C'est pas grave, d'accord. Je te pardonne. Là, je suis seul dans mon délire. Ah, là, t'es bien. C'est là, je crois. Hein. Vas-y. Je crois. Hein. J'ai pas envie de refaire un putain de détour et que ça se trouve, c'est pas ça. Non, mais je reconnais. Oh non, non, mais mec, non, je fais pas ça. Là, je monte pas là. Le château, il est rond, mec. Non, mais t'es sérieux, je suis un boulon là, j'en peux plus, mec. Oh, bah ça y est. Le château d'Annecy. Alors j'en peux plus. Bon, et vas-y, c'est quoi, c'est où, c'est comment? Non, t'as un défi. Ah mais tu dis non mais vas-y, t'as cru qu'on était sur des cotes à combien là? Ah t'es épuisé là. Je l'ai vu. Petit défi. Non mais. Il y a des scouts là. Tu vas jusqu'à là-bas devant, à cloche-pied, et je te donne. Jusqu'à la meuf. Ah je suis sérieux. Et quoi? Deuxième indice. À cloche-pied, je te donne le deuxième indice. Quoi? Mais il y a encore des indices. Mais t'es sérieux? Regardez bien le monde qui va me regarder, attention. Putain, j'ai l'air d'un putain de bouffon de merde. Ça va. Oh, plus j'en peux plus, là, mais tu me fais du sport de ouf là. Alors ah, non. Le deuxième indice, monsieur. Non. J'en ai marre. Et là, il va m'emmener encore à l'autre bout de la planète. On va à Paris cette fois, tu vois. What the fuck. Il s'agit d'un haut lieu d'apprentissage. On y passe une grande partie de sa vie. On y trouve toutes sortes de livres. C'est un grand roi de France qui a créé ce lieu. Qui suis-je? Encore avec des rois. Attends, il s'agit d'un lieu d'apprentissage. Donc, déjà, c'est une école. C'est ça. Université? C'est un peu en dessous. C'est un lycée. Un lycée. Ok, mais quel lycée? Alors. Ah mais ouais, mais là tu me poses une colle. T'aider, c'est le Gabriel Forêt. Bon bah je vais retourner à mes années de lycéen les gens. Je retourne à l'école. On va aller demander où c'est que ça se trouve. Et bah au revoir le château. C'était agréable de monter je sais pas combien de mètres. Au moins t'as vu le château. Pour rien, c'est génial, ça fait plaisir. Alors déjà en général un lycée, je pense que c'est vitré, c'est grand. Je pense que ça sort de l'ordinaire. Là il est excentré et en plus on n'est pas passé loin quand on est allé sur le château. Il était dans la rue. Tu veux me dire qu'il y a un lycée dans la rue? Un lycée dans la rue, ouais. Mais what the fuck? Bah alors c'est un petit lycée, hein, parce que... Non, il est assez gros, mais il est caché, en fait, c'est pour ça. À la recherche du lycée Minimoy. Bon, je t'aide, on aille à gauche. Ok, bah en fait, ce que tu peux faire, c'est que tu peux me dire directement la direction. Comme ça, on se casse pas le cul, hein. Je récupère vite mon téléphone, hein. Je peux pas t'aider comme ça. Qu'est-ce que je fais avec lui? Pitié, au secours. Je vais le tuer. Il va mourir. Hein? Je vais le tuer. J'ai jamais demandé à faire cette vidéo, hein. Et je suis en train de subir tout ce qu'il me fait là. Là, j'ai l'impression qu'en faisant ça, je suis un putain d'FBI. Alors, agent double, s'il te plaît, tu peux. Oh, ça, c'est un lycée, ça. Non, perdu, c'est pas là. C'est pas le truc jaune là-bas? C'est pas loin. Parce qu'il y a l'air d'avoir des grilles en général, c'est la prison tu vois dans les lycées. Si c'est ça. Mec, il y a un putain de grillage, c'est ça. Moi par contre ils ont un putain de terrain. J'ai envie de faire du basket là. On n'aura pas de balle. Ok. Montage. Voilà, allez. Ouais et donc qu'est-ce que. Tu vas pas me dire il y a encore un putain de défi là hein, parce que je vais péter un boulot. Un défi. Je te donne la carte au prochain indice. Mais encore? Ben oui, c'est pas fini mon petit. D'ailleurs j'en profite, il y a un beau fond. Rejoignez-moi sur mon Instagram. On va faire quelques petites photos là, on va en profiter. Hein. Allez, j'étais sympa, je t'ai aidé quand même pour l'école, mais c'est pas. Il va falloir que tu te débrouilles quand même. C'est une lettre piégée. Une lettre piégée.
J'ai des indices à la perfouasse. Tu sais quoi? Je vais la faire en voie de perfouasse, ok? Le plus souvent, on me trouve près de l'eau. Je suis un point important de transport. Mais vous me cassez les couilles, là! À certains endroits, je peux vous guider même la nuit. Qui suis-je? Quoi? J'ai rien compris, mec. On me trouve près de l'eau. La lac? C'est un moyen de transport. Un bateau? Un bateau. Je peux vous guider même dans la nuit, c'est un port. C'est ça, un port. Donc on va au port d'Annecy, quoi. Au port d'Annecy. Et on n'a pas tant de 6000, donc je sais où c'est que ça se trouve. Let's go. C'est pas là, le lac. Là-bas, ouais. Les gars, ils essayent de me poser une colle. Non, 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 c'est là-bas, c'est obligé, mec. Là-bas, tu auras un défi. Non mais arrête. Allez, il en reste plus beaucoup et ton téléphone est à la clé. Comme Fort Boyard. Mec, il y a intérêt que je la retrouve. Sinon, je te jure, je détruis cette ville. C'est GTA, je fais exploser tout en fait. Donc le lycée Gabriel Fauré. Ne leur fais pas de la pub, ne leur fais pas de la pub. C'est un mauvais lycée, attention. Et ceux qui sont vraiment là, ils vont me dire, mais t'es un connard toi en fait. C'est un lycée que je ne connais pas, donc je ne jugerai pas. Voilà. Mais il y a des petites infirmières, ça t'intéresse. Il y a des infirmières. Eh ben écoute, je vais bien les rencontrer. En plus, j'ai une petite blessure. Je suis essoufflé, donc à l'âme. Donc si vous voulez me réparer l'âme, parce qu'il est un peu souillé, tu vois. Puisque t'as perdu ton téléphone, ton âme est transpercée. Ah mais en plus c'est carrément ça. Tiens, regarde, y a ta voiture là. Ah ouais, c'est ma bagnole, sans permis en plus. Je t'ai pas dit en fait le défi. Mais tu verras quand tu seras là-bas. Oh non, ça va être encore un truc je sais pas quoi là. Non, non. En fait, c'est une vidéo cote à combien en fait. C'est ça le truc, j'ai l'impression. Et tout le long. Et tout le long aussi. Je suis ravi de faire cette vidéo. Tu ne reviens plus jamais chez moi et tu ne retoucheras plus jamais mes affaires, je te le dis. Hein. Ok, donc le port, il est là-bas. C'est ça, il est tout au bout, ouais. Bon. Ça va falloir que tu la cherches l'enveloppe par contre, je l'ai caché. Je crois que c'était un défi avant, tu m'as dit. Ouais, mais en fait, finalement, j'ai changé les règles. Ok, le mec, il en a rien à foutre, il change comme il veut, comme ça, ok. J'avais envie. Je cache, mais il y a un milliard de gens. Ah bah ouais, mais bon, c'est ça le but, justement. Bon, les gens, je ne vois pas le retour. Hein. Il est en train de cacher sa putain d'enveloppe, en fait. Je me retrouve député. En tout cas, c'est magnifique. Je sais pas si vous arrivez à... Bon, de toute façon, vous voyez, vous êtes pas con. Hein. Là, je suis en train de paniquer, en fait. Il a chouré mon téléphone. Je n'étais même pas au courant. Je l'ai cherché partout. Je vous dis, les gens, je vais me venger. Et vous savez quoi? On va faire des cotes à combien? Et vous allez voter. Juste ici sur le petit i qui va s'afficher. Dites-moi si vous voulez que je me venge. Et vous allez voir. Je vais lui en faire baver. Il va en voir de toutes les couleurs, je vous le dis. Moi. On va faire ça prochainement, si vous êtes d'accord. Il va mourir. Je vous le dis, il va mourir. Bon, pendant ce temps, petite séquence, plein de coupes. Alors, c'est très gênant, parce que là, je suis en train de parler et tout le monde m'a fait coucou dans le bateau derrière moi. Oh putain, je le vois. Là, il est là, il a fait du sale. J'ai caché l'enveloppe. Il a fait du sale, qu'est-ce qu'il a fait? Bonjour. Vous êtes youtubeur? Oui, bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Bon, du coup, j'ai caché l'enveloppe dans ce parc. Faut que tu cherches. Dans tout le parc. Je te donne un indice, fleur jaune. Mais mec, mais tu t'es barré à 36 milliards de kilomètres. Ah, bon, ça va. Fleur jaune. En plus, tu t'es bien barré, donc je pense que c'est vers le truc là-bas. Là. Je pense, hein. Faut que tu cherches. C'est peut-être pas celui-là, il y en a d'autres des petites fleurs. Hein. Ça se trouve, il est en train de me donner une fausse piste. Non, 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 je te donne ma vraie piste, franchement. C'est pas là, t'es sûr? Donc le gars, il me spoil, c'est là-bas. Peut-être. Ah non, ou là-bas. Ouais, c'est l'un des deux. Okay. Ah, faut que tu cherches. Animateur. Pour une fois, faut que tu cherches. Animateur. Ah, t'es presque au bout de ton téléphone. Oh, c'est vrai. Attends, je vais commencer à chercher par là. Qu'est-ce qu'il m'a fait ce con? Je vais le tuer. Mais de toute façon, non, il a pas pu le mettre là, c'est pas possible. Non, 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 il les a pas cachés là, c'est impossible. En plus, il a l'air d'avoir un regard qui était là-bas. Et avoir là un regard qui est là-bas, donc ça veut dire que c'est sûrement là-bas. C'est pas là, c'est pas là. En plus, comment t'as pu faire si c'est genre scellé entre guillemets quoi? Ouais, tu devrais arriver à la choper. Ouais, tu passes ta main. Genre le mec il a fait des trucs illégaux et tout, c'est un dealer. Il fait le tag. Pas là là. Qu'est-ce qui. Des fleurs jaunes. Des fleurs jaunes. Oh mais mec. Mec, ça c'est jaune pour toi? Bah c'est orange. Est-ce que tu as des problèmes de vue? Tu es daltonien. Ça va, t'as trouvé du premier coup. Eh, vous voyez, la bonne théorie, regardez là. Donc ce que c'était là. Qu'est-ce qu'il a foutu, putain. C'est très beau, hein. Sinon, je pourrais avoir mon téléphone. Non, pas tout de suite encore. Il reste deux indices. Il est un peu... T'es au milieu, t'es déjà au milieu, franchement. Regarde, il reste encore deux indices. Oh là là. Voix du père Fouras. On me retrouve dans les petits gestes du quotidien. Lorsqu'on tombe sur moi, c'est comme un coup de foudre. Je peux faire du bien comme je peux faire du mal. Si vous me trouvez, vous serez la personne la plus... Vous serez la personne la plus heureuse du monde. C'est quoi ça? Les petits gestes du quotidien. Je fais pipi. Aux toilettes. On va dire c'est un truc plus général. Lorsqu'on tombe sur moi, c'est comme un coup de foudre. Qu'est-ce qui tombe sur toi? Dans la vie, en général, comme un coup de foudre. Bah une meuf. Une fille, ouais. Et c'est quoi qui enveloppe tout ça là? L'amour. Il y a un truc d'amour, un pont des amoureux. Exactement. Oh là là.
Oh là là, putain, il était pas facile celui-là. Ouais. Tu vas me faire un putain de défi au Pont des Amoureux. Ah, et un défi à faire au Pont des Amoureux, effectivement. Bon, allez. C'est la fin de la vidéo les gens, j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit like. Non, je déconne bien évidemment, il y a mon téléphone donc on va vite le chercher, je sais pas où il est. Pont des Amoureux, il se trouve de l'autre côté de la ville. Dis pas. Je crois qu'il est là-bas. Il est à 2 minutes à pied. Voilà, c'est là-bas. Je n'ai qu'une seule chose à vous dire. To be or not to be. One the beer life. Est-ce que ça te plaît quand même pour l'instant, cette petite chasse au trésor improvisée? Tu m'aurais pas caché mon tel, qui est un objet très précieux pour moi parce qu'il y a tout mon travail dedans. Je t'aurais dit ouais, c'est cool, c'est sympa. De là d'avoir caché mon téléphone, j'ai envie de t'étrangler et de te tuer, littéralement, et je te mets au fond du lac. Mais si tu me tues, c'est pas mon téléphone. T'as des indices, tu les as sur toi, donc je te fouille. Je te fouille à la Assassin's Creed, tu vois. Je vais être démonétisé à l'instant où c'est que vous voyez cette vidéo. Ça fait plaisir, on me cache mon téléphone et je suis démonétisé. Ça fait plaisir. Je crois qu'on est arrivé à notre destination là. Bon, vu qu'il y a beaucoup de monde. T'es sérieux? Je vais être sympa. Je vais te mettre au milieu là, accroupi, tu vas pas bouger pendant 1 minute. L'indice pour ton téléphone. Ma récompense. Le dernier indice. C'est vrai. Bon, on va tout de suite lire ce petit. Oh, mon téléphone, dis-moi, mon téléphone. Je suis de couleur vert. Non, mon téléphone, il est pas vert. Non, il est pas vert. Dans ce lieu, on me cultive toute l'année. Un champ. Il y a des champs ici. C'est pas des champs. Si vous le souhaitez, vous pouvez y pique-niquer. C'est où que tu pique-niques en général? Bah, dans des trucs comme ça, tu vois. Ça s'appelle comment? Bah, ça s'appelle. De la pelouse. Qu'est-ce que tu veux récolter sur du rien? Bah chez toi tu récoltes où? Par exemple les fleurs, les fruits, tout ça, ça s'appelle comment? On fera un J. Une jacquelouse. Pour dire pelouse. Jardin. Bah voilà, tu vois, c'est facile. C'est un jardin ça? Un jardin. Anne, ça s'appelle le jardin de l'Europe. Attends, ça me dit un truc. On y est passé là tout à l'heure. Quoi? Bah alors c'est derrière nous. Bah oui, là je te laisse réfléchir. Quoi? Mais ça veut dire on avance depuis tout à l'heure pour rien là? Allez, on va redanser la Macarena les gens. T'es vraiment pas passé loin de ton téléphone en plus. Mais quoi? Devant toute cette foule, il y avait mon tel, t'es ouf. Mec, on va les retrouver tout de suite, moi je vous le dis. Bon. Eh bah putain, il y a des motards hein. Il y a ta moto là. Ah ouais? Putain, elle a géchant de couleur. Il y a quelqu'un qui me l'a géchant. Elle a déteint. Ah, il est bâtard. En fait, il était caché. Attends, mais tu te fous de ma gueule? Ça veut dire que depuis tout à l'heure, on était à côté? Ah oui, c'était fait exprès. Mais c'est une blague. Là, maintenant, je cherche ça, maintenant, là. Là, faut que tu cherches. Maintenant? Ouais. J'ai même pas d'indice, j'ai rien. Ah bah non, mais faut que tu cherches. Regarde, je peux te dire, quand tu chauffes ou quand tu refroidis. En fait, ça fait combien de temps qu'il est caché, là? Ça fait depuis hier soir. Quoi? Ouais, je suis venu hier soir. Ma gueule. T'es sérieux? C'est dans le champ amazonien, là? C'est dans le champ amazonien, peut-être. Mais tu chauffes en tout cas. Ah, c'est dans le champ, mais mec, là il y a une vipère qui a pondu des œufs sur mon tel là. Mais what? Mais ça se voit, il y a des gens qui vont dans les trucs là. Tu penses que j'ai le droit d'aller? Mais toi en fait, t'as été là carrément toi. Ah oui. T'es sérieux là? Donc ça se voit, c'est dans les champs. Wesh, rien à foutre. C'est pas loin. Il est là? Il est par là, je viens de rester en tout cas. T'es sérieux? En plus, il y a tellement de bestioles, mais what the fuck? Mais en fait, tu m'amènes dans une putain de forêt amazonienne, là. C'est pas une forêt amazonienne. C'est quoi, ça? Oh! Ah, mais mec, il y a tellement de... Mais non! Ça y est, tu l'as retrouvé. Mec, j'ai eu la peur de ma vie. Ça va? Wouah! Mec, j'ai 30 milliards de notifications depuis hier. Mais putain. Ça, c'est mon bébé, les gens. Ça, dedans, il y a tout mon travail, il y a toutes mes prochaines vidéos qui sont là-dedans. Enfin, ouais, il y avait quand même des bestioles dessus. Pensez bien à voter dans le petit i pour que je me venge. Cliquez sur le petit i et votez oui. Comme ça, dans les quotas qu'on vient, eh ben, il va prendre cher. Merci. Ça va? J'ai hâte d'écouter ça au moins. Bon, eh bien voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez pas apprécié. Non, je déconne, j'espère que vous avez apprécié. Bien évidemment, je me suis cassé le cul pendant je sais pas combien d'heures à chercher mon téléphone. Je vais les retrouver. Ça fait plaisir, toi je vais te tuer, hein, je te le dis direct. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. À liker cette vidéo, ça m'aiderait à savoir si vous voulez d'autres vidéos de ce style. Et voilà, bah, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Salut tout le monde. Et maintenant je vais me baigner. Allez, ciao.